La pandémie actuelle a eu des conséquences négatives sur les conditions de vie de la population tchadienne, en particulier les couches vulnérables. Après la prise en charge des factures d'électricité et d'eau au début de la crise sanitaire, le plan de riposte contre le virus mortel poursuit son bonhomme de chemin. Cette fois-ci, le gouvernement, sous la conduite éclairée du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, exprime son élan de solidarité en faveur de couches défavorisées et des débrouillards, dont les activités génératrices de revenus sont impactées par les mesures de restriction face à la recrudescence des cas de COVID-19. C'est une grande opération d'assistance sociale en faveur des personnes défavorisées qui est lancée. Pour la ville de N'Djamena, plus de 6 000 ménages sont identifiés comme des couches vulnérables. Déjà, 5 000 de ces ménages ont reçu des vivres pour alléger leurs souffrances en cette période très difficile. En posant cet acte humanitaire, malgré la situation économique difficile due à la COVID-19, le gouvernement tchadien exprime sa solidarité nationale en faveur des populations en détresse, mais aussi et surtout traduire dans les concrets la déclaration faite par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, après la notification du premier cas au Tchad le 19 mars 2020. Pour rappel, le gouvernement a dès le départ de ces mesures renforcé les stocks de l'Office national de sécurité alimentaire, ONASA. Une importante somme de 25 milliards de francs CFA est mise à la disposition du Trésor public, dont 5 milliards pour lancer les premières commandes de denrées alimentaires. La preuve tangible de cette volonté des plus hautes autorités de la République est l'effectivité de l'opération de distribution de vivres aux couches défavorisées. Cet élan de solidarité du gouvernement mérite d'être salué et pérennisé davantage pour le bien-être de la population tchadienne. Cependant, le virus ne cesse de circuler. Il impose ses lois à travers le monde face à une médecine impuissante pour les neutraliser. Notre pays n'est pas épargné. Chaque jour que Dieu fait, les cas de contamination vont crescendo. De nombreux malades sont sous traitement. Bien des personnes qui nous sont chères ont perdu leur vie. Le coronavirus a bouleversé notre mode de vie. Pour se sauver et sauver son entourage, il n'y a que les mesures barrières édictées par le gouvernement qui sont le seul geste efficace à adopter par tous. C'est en respectant ces mesures barrières que le virus sera vaincu pour reprendre une vie normale.